Comment jouer au quarté, comment gagner au quarté, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à rester attentif jusqu'au bout. Alors on entend souvent parler de quarté. Qu'est-ce que c'est le quarté? Le quarté, tout simplement, c'est dans la course principale support de tiercé, quarté, quinté. Il y en a une seule par jour. On a la possibilité de jouer au quarté, c'est-à-dire donner 4 chevaux et trouver les 4 premiers de la course, soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Et on va voir également qu'il y a la possibilité de gagner quelque chose si on a seulement les 3 premiers. Alors sans plus tarder, on va directement aller sur l'écran pour donner un exemple précis. Donc dans la course support de tiercé, quarté, quinté, je peux jouer au quarté, c'est-à-dire donner 4 chevaux et essayer de trouver l'arrivée avec les 4 chevaux que j'ai donnés qui arriveraient dans l'ordre que j'ai énoncé pour toucher le quarté dans l'ordre. Mais on peut également toucher le quarté dans le désordre si on a dans le désordre. Et on va voir également qu'il y a ce qu'on appelle le bonus 3. Si on a seulement les 3 premiers dans notre jeu, eh bien on touchera tout de même quelque chose. Alors imaginons dans ce quinté du 1er mai que je veux faire le 4, le 6, le 7 et le 8, un quarté 4 chevaux. La mise minimale, la mise de base est de 1,50€. Donc je peux tout à fait faire un quarté 4, 6, 7, 8. Cela me coûtera 1,50€. Mais comme on l'a vu dans le tiercé, on peut également faire des paris combinés, c'est-à-dire faire des quartés non plus en 4 chevaux, mais par exemple en 5 chevaux. Alors pourquoi, si je fais un quarté en 5 chevaux, je vais payer 7,50€? On va voir ça tout de suite grâce à la tablette. Alors on a vu qu'un quarté c'était 1,50€, je donne 4 chevaux, 1,50€. Par contre, je peux faire des quartés combinés, c'est-à-dire faire des quartés en 5 chevaux par exemple, et on va voir pourquoi on va payer 7,50€. Et bien tout simplement parce que lorsqu'on fait un quarté en 5 chevaux, et bien on fait plusieurs combinaisons de quartés possibles. La première c'est 4, 6, 7, 8, mais on peut faire également 4, 6, 8, 11. On pourra faire également 4, 7, 8, 11, 6, 7, 8, 11. Et j'avais oublié au départ la combinaison 4, 6, 7, 11. Il n'y a pas d'autre possibilité de faire des combinaisons en 4 chevaux avec 5 chevaux. À chaque fois, je paye 1,50€ par quarté, donc 5 fois 1,50 qui me fait 7,50€. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites un quarté en 5 chevaux, tout simplement, vous payerez 7,50€. On peut parler aussi de champ réduit. Il est tout à fait possible de faire un champ réduit dans un quarté, c'est-à-dire prendre 2 bases. Là, j'ai pris au hasard le 4 et le 6. Et je vais remplacer les X par toutes les combinaisons possibles avec ces chiffres-là. Je vais donc pouvoir faire 4, 6, 2, 3, 4, 6, 2 As, 4, 6, 3 As. Mais bien évidemment, au quarté, l'ordre a son importance. Donc, il faut faire aussi les combinaisons dans l'autre sens, c'est-à-dire 4, 6, As 3, 4, 6, As 2 et 4, 6, 3, 2. Si vous comptez bien, j'ai parlé de 6 combinaisons au total pour une mise de base de 1,50€. 6 fois 1,50, ça fait bien 9€. C'est la raison pour laquelle je paierai 9€. Vous pouvez vous entraîner à compter le nombre de combinaisons possibles, mais si vous rajoutez par exemple plusieurs chevaux, forcément que le prix va augmenter et de manière exponentielle. On a parlé aussi dans la vidéo du tiercé du champ total. Je prends 3 bases, 4, 6, 3, X en champ total. Je vais donc remplacer mon X par tous les autres numéros de la course, c'est-à-dire 4, 6, 3, As, 4, 6, 3, 2, 4, 6, 3, 5, etc. jusqu'à 4, 6, 3, 14. Il y aura donc 11 numéros qui pourront être remplacés par le X parce qu'il y a 14 partants. J'ai pris 3 chevaux de base, donc il me reste seulement 11 chevaux qui ne sont pas dans ma base. 11 fois 1,50, 16,50. Alors, nous allons voir les rapports qu'offre le quarté. Vous pouvez aller dans un onglet rapport définitif quarté. L'arrivée ce jour-là était 3, 8, 2, 11, 15. Donc, le 15 ici, on s'en fiche parce que ça ne fait pas partie du jeu du quarté. 3, 8, 2, 11. Donc, si j'ai fait un quarté 3, 8, 2, 11, je touche le quarté dans l'ordre. Alors, combien je vais toucher? Rapport définitif, quarté.
3, 8, 2, 11, quartet dans l'ordre, 8 500 euros pour une mise de 1,50 euros, ce qui est vraiment très bien. L'arrivée étant 3, 8, 2, 11, je peux tout de même avoir eu le quartet dans le désordre. Si j'ai joué 3, 8, 11, 2, je n'étais pas loin, mais je ne l'ai pas eu dans l'ordre, je l'ai seulement dans le désordre et donc je toucherai presque 800 euros. On parlait en début de vidéo d'un fameux bonus 3. Il est tout à fait possible de toucher quelque chose au quartet seulement si on a les 3 premiers. Donc dans cette course où l'arrivée était 3, 8, 2, 11, il est tout à fait possible que moi, j'avais fait un quartet 2, 8, 3, 16. J'ai donc les 3 premiers et donc je toucherai le bonus 3 qui est de 109,20 euros. Donc le quartet, on n'est pas obligé d'avoir les 4 premiers dans l'ordre ou dans le désordre. Les 3 premiers de la course suffisent pour déjà toucher quelque chose. Alors on peut quand même regarder quelque chose qui est intéressant. On peut s'apercevoir que le tiercé dans le désordre pour une mise de 1 euro, il fait 553. Et le bonus 3 du quartet pour une mise de 1,50, il fait seulement 109,20 euros. Donc si vous êtes confiant pour trouver les 3 premiers d'une course, si vous êtes sécuritaire, il faudra toujours tout de même privilégier le tiercé qui offre des rapports désordre plus gros que le bonus 3 du quartet. Si vous faites un quartet, c'est que vous pensez au fond de vous que vous pouvez trouver le quatrième, parce qu'on voit bien qu'on peut aller chercher quand même une somme un peu plus alléchante. Le tiercé dans l'ordre faisait 3 400 euros presque. Si on imagine qu'on a le quatrième dans une course, on peut vite monter plus que le double avec un quartet dans l'ordre qui fait près de 8 500 euros. Alors comme vous le savez certainement, moi je suis partenaire The Turf, partenaire officiel de la plateforme en ligne The Turf. C'est vraiment la plateforme que je recommande, et avec mon lien qui est en commentaire, qui est en description, avec le code promo qui est affiché derrière, le code promo Turfiste, eh bien votre premier dépôt il est doublé, plus vous avez 10 euros offerts grâce à mon code promo. Donc si vous cliquez sur le lien qui est en commentaire ou en description, le code promo sera déjà prêt. Inscrit. L'inscription est très simple, ça dure 2 minutes et vous pourrez prendre du plaisir avec de l'argent gratuit. Donc n'hésitez plus à ouvrir un compte The Turf. L'équivalent du quartet sur le The Turf, on va sur la course du quintet et on pourra voir tous les paris possibles. On a parlé dans d'autres vidéos du trio ordre. Alors la particularité de The Turf, c'est que le quartet, on vient de dire qu'il y avait l'ordre qui était pris en compte. Et bien sûr, The Turf, il n'y a pas de quartet à proprement parler. On parlera de Z4 où il suffit de trouver les 4 premiers de la course pour gagner. C'est l'équivalent du multi. On a fait une vidéo sur le multi. Donc sur The Turf, il n'y a pas l'ordre qui est pris en compte pour le quartet, tout simplement parce que le quartet sur The Turf est l'équivalent du multi. On peut prendre un exemple. Dans une course du quintet, je veux faire 3, 4, 5, 6 en Z4. Eh bien, ça me coûtera 50 centimes. Si l'arrivée, c'est 3, 4, 5, 6 ou 5, 4, 3, 6, eh bien, j'aurai gagné. J'espère, les amis, que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre et d'appréhender un peu plus ce qu'est le jeu du quartet. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Je pourrais même faire d'autres vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Je vous affiche à l'écran une vidéo qui, pour moi, pourrait potentiellement vous servir à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Sur ce, les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !